Il était une fois une princesse qui dormait paisiblement. Elle se réveilla. Des carottes. Je vais aller voir père. Il faut que je lui parle. Il faut que j'aille voir père. Père, qu'est-ce que tu as ? Oh ! Je suis très malade. Une malédiction s'est abattue sur notre famille. Je vais te donner ma vie pour que tu aies plus de temps pour trouver le remède. Non, père, ne pars pas. Je t'aime, Candy. Adieu. Non ! Un bel étalon vient vers la princesse et la borde. Il s'y recouline et manque de tomber. Hé, hey, mademoiselle. Ah ! Oh non, attendez, je viens vous secourir. Hé, hey, attention ! Mais... Faites attention. Merci. Ouh, j'ai cru que j'allais perdre une vie. Attendez, je ne connais qu'une personne qui perd ses vies. Vous serez la princesse ! Oh mon Dieu ! Oui. Je pense que avoir été un peu mal poli avec vous. Non, pas du tout. C'est très gentil de m'avoir sauvé. Je m'appelle Royal. Moi, c'est Candy. Ravie d'avoir fait ta connaissance. De rien. Ils apprirent à se connaître et au bout d'un moment, ils sortirent ensemble. Je t'aime, Candy. Je t'aime, Royal. Un jour, nous fonderons une famille ensemble. Oui, marions-nous. Oui, ne nous précipitons pas. J'aimerais t'inviter à un restaurant. Qu'en dis-tu ? En amour, tous les deux. Quelle bonne idée. Et après, nous nous coucherons dans la même prairie. Oui, ce sera formidable, non ? Oh, quelle bonne idée. J'en ai marre de dormir au palais. Allons-y demain soir. D'accord, c'est promis. À demain soir. À demain soir. Comme prévu, ils se retrouvèrent le lendemain pour partager un merveilleux dîner en amour. Pomme cuite ce matin et bottes de carottes. Bon appétit. On va se régaler. Oui, c'est sûr. Ils passèrent un excellent repas, mais ils ne se doutèrent pas de ce qui allait se passer pendant la nuit.